Bonjour Alexis. Bonjour Christian. Tu nous parles de ta société qui s'appelle Trust2. Exactement. Alors, explique-nous comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'elle fait cette société. Bien sûr. Alors Trust2, c'est un service d'inspection de voitures d'occasion avant achat. Très utile pour tous ceux qui ne s'y connaissent pas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on veut acheter une voiture d'occasion, eh bien, bien souvent, il y a l'émotionnel qui rentre en jeu. L'émotionnel, ça nous enlève en moyenne 50% de notre objectivité. Donc, même si on s'y connaît, on est incapable de savoir si on fait une bonne affaire en achetant tel ou tel véhicule. C'est pour ça qu'on a décidé de pouvoir mettre à disposition de tout le monde un spécialiste automobile Trust2, son conseiller personnel de la voiture d'occasion, qui vient inspecter le véhicule de notre choix pour s'assurer, sur 200 points de contrôle, de l'état réel du véhicule. D'accord. Alors, comment ça s'est venu, cette idée-là de spécialiste qui vient aider le particulier qui achète une voiture ? Très simplement, c'est mon associé Maxence Guintran qui a été dans la situation de devoir acheter un véhicule d'occasion. Il n'a aucune connaissance, il est en Île-de-France, il voit une pléthore d'annonces, il ne sait pas du tout laquelle choisir. Et c'est son voisin, un mécanicien contrôleur technique, qui va l'accompagner, qui va l'aider et qui va le conseiller sur place et surtout qui va négocier le prix pour lui avec le vendeur. Ça veut dire que le spécialiste que vous avez, il a quoi ? Un mandat pour inspecter la voiture. Exactement. Et aussi pour négocier, ça veut dire qu'il va négocier le prix à la baisse plutôt, non ? Si vous voulez, notre spécialiste Trust2, il vient avec ou sans le client pour inspecter le véhicule sur 200 points de contrôle. État intérieur, extérieur, carrosserie, compartiment moteur, test statique à froid et essai routier, puis vérification administrative de l'historique du véhicule, la concordance entre les anciens contrôles techniques et le carnet d'entretien. Tout est passé au crible pour s'assurer d'avoir un maximum d'éléments factuels sur le véhicule et qui ne repose pas juste sur les dires du vendeur. Avec tous ces éléments en main, le spécialiste est là pour essayer de négocier le prix en faveur de son client, donc notre acheteur. Et alors le vendeur, comment il ressent cette intervention d'un tiers dans la vente ? Eh bien, de deux manières différentes. Premièrement, ceux qui n'ont rien à se reprocher sont ravis de pouvoir faire inspecter leur véhicule par un spécialiste. Nous sommes très bien reçus, notamment par les professionnels de l'automobile qui savent qu'ils n'ont rien à cacher. À l'inverse, les vendeurs malhonnêtes qui ont quelque chose à cacher, bien souvent, on se rend compte qu'ils annulent au dernier moment ou qu'ils posent un lapin ou soudainement le discours change. Ça nous est déjà arrivé justement semaine dernière, une cliente m'appelle, un vendeur donc professionnel lui avait réservé le véhicule le lendemain matin pour qu'elle aille le voir. Elle nous appelle pour qu'on envoie un spécialiste Trust2 avec elle. Le spécialiste contacte le vendeur et là soudainement le discours a changé, le véhicule est déjà vendu, on ne peut pas venir le voir. Fin du discours. Bon, ça veut dire que l'affaire ne s'est pas faite du coup là. Exactement. Voilà, ça veut dire surtout que le vendeur avait quelque chose à se reprocher et c'est un paradoxe très intéressant, c'est-à-dire que le simple fait d'exister, sans même avoir pu intervenir, on a déjà supprimé une arnaque. D'accord. Mais ça, c'est quoi ? C'est la réputation de Trust2 ou c'est parce que le potentiel arnaqueur, c'est les deux ? C'est les deux. Okay. Je vous cite une autre anecdote. Il y a un mois et demi, nous sommes envoyés sur une inspection d'une Porsche Cayenne dans le sud de France. Le spécialiste se rend sur place. Le véhicule est nickel, aussi bien intérieur, extérieur, vraiment immaculé. Mais il a un soupçon, un doute. Il vérifie deux fois l'historique du véhicule. Et là, il se rend compte que le véhicule avait été déclaré épave et inondé en Espagne 6 mois plus tôt. D'accord. Donc là, c'est une bonne chose, là, déjà. Voilà, c'est un exemple typique d'une arnaque. Donc, c'est-à-dire, c'est un vendeur professionnel qui a franchi la loi pour récupérer cette épave. La remise en état, on ne saura jamais comment, évidemment, puisqu'il n'y a aucun suivi. Et qui, derrière, l'a remis en circulation contre la loi, puisque c'est interdit. Est-ce que là, votre intervention, l'intervention de Trust2, ça va jusqu'à signaler éventuellement à la police ou non ? Bien sûr, oui. Ça nous est arrivé, mais une seule fois, en 2 ans et demi d'existence. Bon. Il n'y a pas trop de gens malhonnêtes, ça veut dire aussi. Ah si, non. Bon, par contre, entre déclarer à la police et des gens honnêtes, il y a tout un monde et c'est là qu'on intervient. C'est ce qu'on appelle la zone grise, où parfois même des vendeurs eux-mêmes ne sont pas au courant de certains vices cachés sur leur véhicule, parce qu'eux-mêmes l'ont acheté 2 ou 3 ans auparavant, sans savoir qu'il y avait des problèmes dessus qui peuvent se déclarer a posteriori. Donc maintenant, avec le nombre de rapports que vous avez, est-ce que vous sortez des statistiques, des constantes par rapport à des véhicules ? Exactement. Alors au début, le format d'inspection du rapport d'inspection était papier, PDF, et aujourd'hui, on a souhaité le digitaliser via une application, ce qui nous permet en fait de compiler toutes les informations de tous les rapports d'inspection qu'on réalise, que ce soit en France, en Allemagne, en Pologne, etc. Ça va nous permettre à terme, je parle au futur, puisqu'aujourd'hui
c'est beaucoup trop au stade précoce de ce projet, mais ça devrait nous permettre de pouvoir identifier un certain nombre, par exemple, de maladies chroniques sur tel ou tel véhicule, sur telle marque, etc., de savoir quelle déficience apparaît sur tel modèle, à quelle année ou à quelle kilométrie. Au niveau européen, est-ce qu'il y a des différences ou des points communs entre les différents pays ? Complètement. Aujourd'hui, on fait très attention, notamment sur les véhicules qui sont importés depuis la Belgique ou depuis l'Allemagne. Il faut savoir qu'en Allemagne, beaucoup de Français souhaitent acheter un véhicule parce que le marché est en moyenne 20% moins cher sur les constructeurs de marque allemande. Mais par contre, en Allemagne, il n'est pas illégal de trafiquer son compteur kilométrique. Et donc sur certaines séries de BMW, on va trouver jusqu'à 30% de ces véhicules qui ont un compteur kilométrique trafiqué. Donc trafiquer, ça veut dire à diminuer. Et bien, exactement. Ça veut dire par exemple un véhicule qui a 250 000 km au compteur qui va en afficher que 150. Ah oui, à ce niveau-là quand même de trafic. Ah oui, complètement. Ouais. Complètement. Et ça, on en a. Ça, on en a fréquemment. Ah, il est pressé, hein. Ah, pas de temps à perdre. Bon, allez, attention, c'est parti. Super. Non, pardon. Allez, pardon. J'ai tout fait en one shot. Ah, mais c'est vrai, désolé. Puis, grâce au fond qu'on a levé. Ah non.